Bonsoir à tous et à toutes. On a un petit problème avec Rocket League. Et là, good! Bonsoir à tous et à toutes en ce beau mercredi 30 novembre pour la suite de la Ligue collégiale pour Rocket League. Ce soir, deux beaux BO qui semblent prometteurs. Mais avant qu'on commence à te dire contre qui on va jouer ce soir, on va faire un petit retour sur la semaine dernière qui, malheureusement, je n'ai pas pu diffuser. Je m'en excuse, je suis tombé malade et j'avais j'avais énormément de toux, donc très difficile de commenter quand on a de la difficulté avec notre voix, fait que j'ai préféré me reposer. Mais on est de retour en force, peut-être encore un petit fond, on risque de m'entendre tout ça un petit peu, je vais essayer que ça ne s'entende pas sur live, je vais essayer que ça soit le plus intéressant pour tous ce soir quand même, j'ai quand même un fond de rhume, fait que je préviens d'avance. La semaine dernière, on a eu deux beaux BO. Le premier contre les Inuks de Granby et le second contre les Pandas de Saint-Jérôme. Si on parle du premier BO, une petite défaite ici pour les Atlas, mais une bonne victoire du CGM Granby. Ça s'est joué serré à 3 pour 2 pour les Inuks. Justement, première partie, le CGM de Granby qui remporte avec un 3-1. Contre les Atlas, deuxième game, Victoriaville qui s'en va chercher l'égalité avec un 2-1. Troisième partie, c'est Victoriaville qui prend l'avance. On va chercher un 3-2 sur cette troisième partie. On va s'enligner après ça sur une quatrième partie où là, le cégep de Granby a sorti les grands jeux, un 7-3 écrasant pour le cégep de Granby. Ce qui va nous emmener dans la game de prolongation, c'était 2-2 et le cégep de Granby qui va gagner avec un but d'avance pour un 2-1 sur cette cinquième partie. Donc un premier BO qui aurait sûrement été très intéressant à voir pour ce qui est des Pandas de Saint-Jérôme pour le deuxième BO de cette soirée-là. Donc de la semaine passée, comme j'expliquais, on avait un 3-0 de la part de Victoriaville. Première partie, 1-0, un petit peu timide, on prend encore nos marques du côté de Victoriaville. Deuxième partie, un 2-1, match encore serré. Et la troisième partie qui était décisive, un 4-0 pour Victoriaville sur ce troisième roster de Saint-Jérôme. Intéressant ce soir, la possibilité des Pandas de Saint-Jérôme de pouvoir reprendre leur revanche face à la semaine dernière, puisque ça va être eux qu'on va voir à 19h15 pour le premier BO de cette soirée. On va ensuite se revoir à 20h15, si je ne dis pas de bêtises, juste confirmer les heures. Laissez-moi quelques instants. Donc c'est à 20h15, ça sera contre le cégep de Shawinigan. Ni plus ni moins. Donc une belle soirée en perspective avec moi comme hôte, comme d'habitude, en espérant que vous passez une bonne soirée. Allez chercher tout de suite vos breuvages, vos petits popcorns, votre petit snack pour cette soirée. On débute sous peu. Cette partie, plus qu'à attendre que les joueurs se préparent, ça devrait se faire d'environ 5 petites minutes. À tout de suite, tout le monde. Les Pandas qui arrivent tranquillement dans la partie. Ça ne devrait plus tarder. J'étais pour mettre la musique, mais on va leur descendre le temps que ça commence pour avoir vraiment le ressenti in-game et non la musique dessus. Les joueurs qui se mettent en place. Donc, on va débuter ça, mesdames et messieurs. Ce premier BO de cette magnifique soirée qui va débuter. Shadow, Ray Velo et je n'ai pas vu le dernier nom. Ray Velo et For You Bot qui vont représenter le cégep. En fait, qui vont représenter les Pandas, donc le cégep de Saint-Jérôme. Et ça débute déjà avec une très belle agression ici du côté de For You Bot. Une balle qui est censée récupérer par Shadow, mais ça sera une démo de la part de Kaja. Le vélo avec la balle. Elle sera défendue ici par Samouraï. On va aller chercher le 50 avec Tumedji. Très bon 50 ici. For You Bot qui va récupérer cette possession. On va tenter de passer Kaja, mais Kaja qui ne se laissera pas faire. Le vélo qui va laisser Shadow jouer. On n'ose pas trop avancer. On veut pas double coming. Ça sera défendu ici par Samouraï. Petite soft ici. Il va passer par-dessus Kaja. Kaja qui va retourner chercher une deuxième démo. Une balle qui est centrée, peut-être récupérée par Samouraï ici. Attention à ne pas laisser la possession. Ça sera tenté d'être défendu par Timedji. Par chance, ça ira sur le côté des filets. Furrybot avec la potion pour maintenir cette pression. Ça sera renvoyé par Timedji directement devant les cages des Pandas.
Samouraï avec le shot. Ça s'est très bien défendu ici de For You Bot. On va réussir à passer Ultimate J, mais on ira chercher cette démo de la part d'Ultimate J. Le petit outflip ici qui sera récupéré par Shadow. Une balle attention descendante qui peut être dangereux. La tentative ici de Samouraï pour défendre. Mais ça sera Shadow qui ira chercher la marque de 1-0 sur ce pointage. Une balle descendante. On a pogné le plafond ici. Samouraï qui a tenté de défendre, mais une position qui était un petit peu défavorable pour lui. On a quand même tenté de faire quelque chose de beau, mais ça n'aura pas été concluant. Deuxième kick-off ici. Ça sera récupéré par Ultimate J, Revelo qui ne se risquera pas. Ça sera récupéré par For You Bot. Samouraï avec le flic, on va passer For You Bot. Mais c'est Shadow qui va réussir à intervenir. Ultimate J avec la démo, mais Revelo qu'on n'aura pas vu arriver du côté des Atlas. Une balle qui a été centrée. Ultimate J qui n'était pas en position de pouvoir défendre. Revelo qui a juste eu à pousser cette balle pour aller chercher la marque de 2-0. Les Pandas qui sont prêts à en découdre avec leur défaite de la semaine dernière. Et ça paraît, on ne se laisse pas avoir ici. On rentre en force, comme on dit. Samouraï qui va tenter d'intercepter cette balle-là. Ça sera une démo de la part de Kaja sur Shadow. Furrybot qui va tenter de centrer ce jeu. Ça ira chercher le centre, mais Revelo qui ne touchera pas cette possession. Ça sera envoyé de la part du Ultimate J. Une balle qui est centrée. On va chercher le bump ici et la petite balle en bas. À gauche des filets qui va aller chercher contact directement. On rapproche l'écart ici. On a été un petit peu plus rapide de la part du Team Engine. Belle tentative ici de défense, cependant. On est arrivé un petit peu en retard et on a réussi à aller chercher justement cette balle de vitesse pour aller chercher cette marque. Harry Bot qui va sortir cette balle. Ça sera moi qui récupérera. On va aller essayer de jouer sur le wall. Tenter la démo ici de la part de Harry Bot qui va chercher contact et qui va aller récupérer cette démo. Mais ça sera la possession sera récupérée ici de la part du Team Engine. Samouraï pour recentrer. Ça sera récupéré par Harry Bot. Mais j'ai pour la défense. On réussit à passer deux joueurs. Régis, Revelo en défense. On réussit à passer Revelo. Attention, c'est une balle qui peut être dangereuse. Kaja qui va tenter de commit, mais ça, on n'ira pas chercher contact sur ce ballon. Ça sera recentré de la part de Team AJ Furrybot pour la défense. Ça sera envoyé ici en backpass à Samouraï. On va réussir à passer les deux autres joueurs. Peut-être une ouverture pour les Atlas. Et ça sera tenté par Kaja, mais malheureusement non récupéré. Une belle opportunité ici. Attention, le centre peut-être pour les Pandas. On ne s'y risquera pas ici du côté des Pandas. Samouraï qui va tenter cette touche. Un petit peu raté sur le côté. Il nous manquait pas gros pour aller chercher contact. Petit Magic qui est renvoyé sur le side. Furrybot pour aller chercher cette possession ici. Double commit peut-être dangereux. Ça sera finalement défendu par Samouraï. On va tenter de passer un joueur. On va réussir à passer un joueur avec cette petite twist sur le wall. Furrybot va tenter de jouer ici, attention le triple commit, mais ça sera continué du côté de For You Bot. Intercepté ici par Samouraï, on fait la passe à Revelo qui tire et ça sera malheureusement raté de justesse sur le côté des filets. On maintient cette pression du côté de For You Bot, mais Samouraï qui ne laisse pas entrer. Petit whiff ici sur un flip side du côté de Revelo. For You Bot qui est de retour en défense. Ça sera malheureusement pas renvoyé assez fort, ça sera Ultimate J qui va récupérer Shadow. Avec la défense, on va chercher une démo sur Kaja du côté de For You Bot pour tenter de briser ce jeu offensif. Et ça sera Revelo qui va continuer d'y aller en profondeur avec son ballon. On va chercher un bon 50 du côté de Samouraï ici. Un wall pinch du côté d'Ultimate J pour renfoncer cette balle. 50 avec For You Bot. Attention, cette balle, cette double tap. Ultimate J qui va chercher le 2-2 sur ce très beau jeu offensif ici. Un wall pinch. For You Bot qui réussit cette possession, mais le read d'Ultimate J et la deuxième touche directement dans les airs pour aller vraiment écraser ce ballon en direction des filets. 2-2 avec 1 minute 13. Une belle remontée des Atlas. Deuxième cup, Kaja qui récupère cette position, un tir direct. Et ça sera malheureusement une barre latérale qui sera récupérée des Atlas. Ultimate J pour maintenir cette pression. Samouraï pour tenter de recentrer. Malheureusement, on le renvoie sur le corner avec un petit peu trop de puissance. On réussit quand même à maintenir cette pression. Kaja avec la démo sur Shadow RL. For You Bot avec la petite touche. Ça sera finalement récupéré par Samouraï. On va réussir à passer Shadow. For You Bot va aller chercher ce 50 défensif. Ça sera renvoyé au centre par Ultimate J qui tente de contrôler ce ballon. Mais For You Bot qui met un petit peu trop de pression. On réussit à rentrer dans la zone des Atlas. Une belle défense ici. Attention, Revelo qui peut quand même tirer. Une balle qui va être descendante devant les filets. On doit s'en débarrasser rapidement. Revelo qui réussit à passer un joueur.
On contrôle de son côté. On va tenter de passer Samouraï et ça sera Shadow qui va tirer, qui rattrape ce ballon de justesse. Kaja qui pourra récupérer ici. On y va avec un air dribble du côté de Kaja. Furrybot qui va tenter la défense et malheureusement, l'arrêt qui sera un petit peu trop faible. On n'aura pas réussi à la taper assez fort sur le côté pour pouvoir dégager devant le filet. Et les Atlas, avec 15 secondes à jouer, qui réussit à aller chercher ce lead sur cette première partie. Très belle pression ici de la part de Kaja. Revello avec le kick of goal directement qui va chercher l'égalité. Très bon kick-off de la part de Revello. Un fast kick-off. On va chercher le kick-off avant Samouraï. Ultimate G qui est un petit peu trop avancé. On n'a pas eu le temps de réagir. Et la balle qui nous passe par-dessus. Très bon kick-off de la part du joueur des Pandas. Encore l'égalité. Peut-être un overtime qui sera récupéré ici des deux côtés. Samouraï qui renvoie Shadow qui va réussir. Attention ici, la dernière seconde qui va sauver les mains pour les Atlas sur cette agression qui était gagnée des Pandas. Aïe, 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 on aurait pu éviter cet overtime-là, mais on est en overtime présentement. Et c'est ça qu'il faut pour les Atlas. Petite démo ici de la part de Revello sur Samouraï. Ça sera récupéré par Shadow, Ultimate G. Avec la tentation, ça sera récupéré au mid par Furrybot. On va chercher la démo, mais Kaja qui est arrivé de justesse pour défendre son ballon, pour défendre ses filets. Revello qui réussit à passer Kaja. Ça sera Samouraï qui récupérera cette possession. On va aller chercher le 50 avec Revello et Ultimate G pour le renvoi directement du côté des Pandas. Ça sera arrêté sur le midfield par Furrybot. Kaja avec la possession. Furrybot va tenter le centre ici. Ça sera Samouraï qui va réussir à passer Furrybot. On contrôle du côté de Samouraï. On va tenter le tir. Revello qui va arrêter ce ballon. Ça sera finalement Kaja qui va maintenir cette pression. Peut-être la deuxième touche qui sera récupérée ici. On passe Furrybot, mais ça ne sera pas centré pour pouvoir récupérer cette opportunité. Revello qui tente de s'enfoncer, mais Samouraï qui ne laisse pas les Pandas avancer plus qu'il faut. On va chercher cette deuxième touche ici pour Ultimate G qui va la mettre dans l'axe. Kaja pour finaliser le jeu. Et c'est le jeu de passe qui va permettre la victoire aux Atlas sur cette première partie. Très beau jeu de passe ici, Samouraï, Ultimate G sur la backboard et Kaja qui récupère pour le finish. C'est ce qui nous manquait dans les dernières semaines, des possibilités de pouvoir finaliser. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui pour les Atlas de récupérer cette première victoire sur ce BO. Des jeux agressifs, d'un beau jeu de passe ici pour finaliser sur cet overtime. Très belle partie ici. Saint-Jérôme qui est revenu en force également par rapport à la dernière semaine, à la semaine dernière, en fait, justement, qui avait eu quelques difficultés, qu'on avait perdu face à Victoriaville. On montre un Saint-Jérôme qui est beaucoup plus agressif, qui est beaucoup plus, comment je peux dire, qui est beaucoup plus rusé, on va dire, vraiment. Mais une très belle partie des deux côtés, ici. Ça s'est joué de peu, ici, on le voit, ici, il y a 8 tirs du côté des Atlas pour 7 tirs du côté de Saint-Jérôme. Fait que ça s'est vraiment joué jusqu'à la dernière seconde. Et un très beau dernier jeu de passe ici entre les membres des Atlas pour finaliser le tout. Une très belle première partie qui ne veut rien dire. On l'a vu, c'est quand même très serré. Ça s'est joué en overtime directement sur le premier match. Donc potentiellement un BO qui se tend à être serré. Peut-être un 5 matchs pour cette première. On le verra, on va voir comment les Atlas et comment les Pandas vont évoluer tout au long de ce BO-là. Mais jusqu'à présent, on a un très bon jeu ici, des deux côtés. Deuxième match. On garde le même roster du côté des Pandas. Samouraï qui récupère cette possession, ce premier kick-off. On va prendre le temps sur le wall, on n'a pas tant de boost que ça. Revello qui récupère cette possession, une balle qui est profonde. Attention ici avec le tir directement qui va emmener les Pandas directement au pointage sur cette première partie après seulement 10 secondes. Un très beau dégagement ici de la part de Revello. Ultimate G qui a tenté de défendre. Malheureusement, on n'était pas assez haut et Revello qui avait juste à cadrer cette balle. Chose qui a été fait. Très beau tir de la part de Revello. Très beau kick de Ultimate G. Samouraï peut-être avec le tir. Ça sera envoyé sur le side. Revello qui récupère. On va chercher le 50 avec Kaja. Furrybot avec le petit whiff ici. Une balle qui peut quand même être dangereuse. On doit défendre ici. Shadow qui va aller chercher la marque de 2-0 sur ce kick-là. Les Atlas qui sont un petit peu... en fait, on a eu le double commit ici de Ultimate G et de Kaja. Faut faire attention. Communication est la clé
dans ce BO-là. On a fait une belle première partie. On ne doit pas se laisser avoir ou avoir, aller récupérer une grosse tête ou quoi que ce soit. Il faut jouer intelligemment et maintenir notre pression. On ne sous-estime pas nos adversaires. Et en fait, les pandas qui démontrent ça, justement, on est allé jouer de jeu agressif directement en partant. Furbot va tenter d'intervenir ici. Shadow, pour récupérer cette position, ça sera arrêté de la part de Samurai. Petit démo du Smedji sur le vélo. On manque un peu de force du côté de Katja, ça sera arrêté par Furbot. On tente d'intervenir, mais ça sera finalement Furbot qui va passer Samurai et Katja. Le Smedji va intervenir. On prend le fifi avec Shadow. Attention, ici, une balle qui peut être dangereuse. Ça sera finalement renvoyé directement de l'autre côté. Samurai avec le flic, on n'a pas de boost ici, on doit faire attention. On va quand même aller bumper For You Bot pour pouvoir espérer que nos collègues, nos teammates puissent récupérer cette possession. On bump un peu du côté de Team NG. On va essayer de renvoyer ça à Samurai, For You Bot qui ne peut pas intervenir pour le moment. Petit flic ici qui va passer le vélo, mais Shadow qui peut peut-être faire de quoi. Ça sera finalement le Team NG qui va tenter de sauver les meubles. For You Bot avec la possession, peut-être une opportunité qui va être proposée. Revello qui va rater de justesse cette balle et Petit Magic qui va tenter le 50 ici. Ça sera Shadow qui va avoir gagné cette late touch. For You Bot qui tente de renvoyer la balle du côté des Atlas. Ça sera finalement Kajak qui va venir maintenir cette pression. Petit Whiff ici, ça sera récupéré par Petit Magic. Une balle qui ne peut pas être follow. For You Bot qui renvoie profondément. Ça sera Samurai qui va contrôler. Furbot qui n'ira pas chercher cette touch. Shadow avec le petit whiff. Kajak qui renvoie. On prend notre temps. On panique pas du côté des Atlas. Magic qui renvoie au centre. Furbot qui va tenter d'intervenir, mais qui n'ira pas chercher contact. Ça sera Vélo qui va récupérer. Une balle qui va revenir vers le centre. Attention aussi, peut-être. Kajak avec le tir. Ça sera sauvé par Shadow. Mais une balle qui est toujours dangereuse. On doit s'en débarrasser du côté des Pandas. Le Magic avec le 50. Ça sera Furbot finalement qui va réussir à passer le joueur des Atlas, mais Kajak qui maintient cette pression. Revello qui renvoie encore une fois sur le côté, peut-être une possibilité de tir. Samurai avec le 50, on maintient coûte que coûte cette pression du côté des Atlas. On ne dépasse pas la ligne du centre. Une balle qui va passer par-dessus les filets du Smedji avec le miscalculating. On a mal calculé notre trajectoire ici. Ça sera maintenu du côté de Samurai. Une balle à Kajak qui va tirer, qui va aller chercher les ponts défilés ici. Une pression qui va avoir été efficace des Atlas sur ce jeu. Un beau 30 secondes, une minute à avoir maintenu la pression du côté pour les pandas directement. Et l'ouverture qui a fini par payer. Un très beau jeu offensif ici des Atlas. Attention, toi, quatrième kick-off. On doit défendre sur cette balle déjà profonde dans notre côté, du côté des Atlas. Ça sera un très beau renvoi de la part du Team NG. On va chercher ce bomb sur un vélo. Attention, Kajak avec le 50. Ça sera bien défendu de la part de For You Bot. Une balle qui est renvoyée sur le side. Petit backflip de la part de Samurai. On doit aller se repositionner rapidement. Revello qui défend cette tentative de jeu de la part du Team NG. Team NG qui va aller punir d'une démo sur ce dernier. Beau préflip de la part de Samurai. Petit Medji avec le dribble, on passe le vélo, mais on n'a plus de boost, on doit faire attention ici, on espérait que le boost pop du côté de nos adversaires. Furbot qui s'enfonce du côté des Atlas, attention ici, peut-être une ouverture qui sera donnée, ça sera finalement renvoyé sur le corner. Ultimate Medji prend son temps, on va chercher Spiffy avec le vélo pour empêcher la possession. Samurai qui renvoie du côté des pandas. On prend son temps, on essaye peut-être le flic un peu faible du côté de Samurai. Ça sera finalement renvoyé de la part de Ultimate G. Revello avec l'Ariel très haut qui va aller empêcher cette ouverture de jeu. Du côté de la classe, peut-être une passe pour For You Bot qui ratera de justesse ici. Ultimate G qui passe Shadow. Revello qui est en position. On va chercher cette touche ici sur le corner, mais Samurai et Champlou qui est là pour défendre Kajak qui récupère cette possession. Attention, For You Bot qui est en position. On réussit à passer directement sous le nez de For You Bot. Ultimate Magic qui empêche Shadow de repartir avec cette possession. Une balle qui est centrée. Attention, For You Bot qui défend. On réussit à aller chercher la deuxième touche. Kajak va dévier cette balle. Revello qui empêche Ultimate Magic d'aller chercher cette pression, de retourner du côté. Attention, soft touch pour Samurai, mais ça sera une soft touch également pour Shadow. For You Bot qui va tenter de maintenir cette pression. Et ça a passé. Samurai Shadow avec le tir qui va aller chercher la marque de 3-1 avec 17 secondes à jouer. Les pandas qui ont su très bien s'adapter dans ce. Comment je peux dire?
dans cette deuxième partie. Très beau jeu, rien à dire. On a réussi à passer notre défenseur du côté Dépanda, d'aller passer ce défenseur-là. On avait quelqu'un qui était en position prêt à récupérer cette balle. Simple, efficace comme jeu. C'est le tout de Rocket League, justement. Kaja avec la balle centrée. Ça serait défendu de la part de Furybot. Samouraï avec le centre peut-être ici. Ça serait défendu par Evelo. Et une balle qui s'écrase. Et c'est Jérôme qui va chercher l'égalité dans cette deuxième partie. Alors, très bonne deuxième partie ici. Les Pandas qui sont venus beaucoup plus agressifs. On a débuté avec deux bons kick-offs. Kick-off goal quasiment. Fait un premier kick-off goal. Pas kick-off goal, mais deux... Deux buts très rapides, en fait, dans les premières 20 secondes de jeu. On a surpris un petit peu les Atlas de ce côté-là. On doit faire attention, cependant, on avait des belles opportunités du côté des Pandas, mais des fois, j'ai l'impression qu'on essaie de se garocher un peu trop vite, fait qu'on a des petits whiffs du côté des Pandas, mais c'est aussi le cas des Atlas, on doit faire attention sur ça. Très belle pression ici de la part de Victor. Malheureusement, on n'a pas réussi à maintenir cette deuxième pression-là pour essayer d'aller chercher l'égalité. Ça a permis aux Pandas de prendre l'avantage. On était en... déficit de joueurs en défensif lors de ce troisième but. Et heureusement pour les Pandas, on a réussi à récupérer ce but-là. Très beau tir de la part de Shadow. On a passé directement entre les deux défenseurs et on est allé chercher cette avancée de 2 points sur cette partie-là. Victor, on doit faire attention à notre défense. Si on a une belle défense normalement, et là, on met peut-être un petit peu trop de pression, on doit faire attention à ça. Mais tout de même, une belle adaptation de la part de Saint-Jérôme sur cette deuxième partie. Troisième partie de ce BO. Un petit main G avec le tir. Attention, Furybot qui défend. Attention, récupéré par Samouraï. On passe Shadow. Attention, Revelo pour la défense. Kajak qui va tenter de tir. Malheureusement, non cadré. Peut-être la double tape ici sur Samouraï. Ça sera défendu du côté des Pandas. Un petit main G avec le tir direct derrière Revelo qui va aller chercher directement le premier pointage après 20 secondes de jeu. On a échangé les sides du côté entre les Pandas et les Atlas. Les Atlas qui vont chercher d'un jeu agressif directement. Revelo qui est un peu trop avancé. Je pense qu'on s'attendait pas à ce que Shadow rate cette balle. On a voulu aller se positionner en défense. Malheureusement, trop avancé. On n'a pas pu récupérer ce ballon-là. Peut-être Kick-off goal ici la part de Kaja. Ça sera envoyé un petit peu sur le side. On va bumper Revelo au passage pour essayer de gagner du temps. Nos teammates, très bon 50 ici de la part de Revelo. On récupère cette possession. Ultimagic va aller chercher la démo sur Shadow. On passe un premier joueur, mais Kaja qui ne se laissera pas passer sur cette action de Revelo. Une balle qui est haute, Furybot pour la deuxième touche dans les airs. On va aller chercher le corner ici. Samouraï va rater. On va tenter le centre ici pour Shadow. Aucun joueur dépendant pour récupérer. On va quand même maintenir le 50 ici du côté de Furybot. Double commit entre Revelo et Furybot. Shadow pour défendre. On maintient cette pression ici. Revelo pour le centre. On va essayer d'aller chercher ce centre-là. Ça a fonctionné, mais Shadow qui s'est avancé un petit peu trop vite. Furybot peut-être pour finaliser le move. Ça sera défendu de la part du Major. On a été un petit peu trop pressé du côté de Shadow pour aller maintenir. Pas maintenir, mais pour aller jouer cette action. Samouraï qui back. Ça sera Kaja qui va tenter le tir ici. Ultimate G qui va tenter le tir. Ça sera raté de justesse, ça sera défendu du côté des Pandas. Furybot avec le tir sur le site. Peut-être la double tap qui sera sauvée ici par Ultimate G. Une balle qui revient au centre. Attention, révélée ici. Kaja qui va aller faire l'arrêt. Ça sera un double commit de la part de Furybot qui va renvoyer directement sur le site. Belle read ici de la part de Kaja. On réussit à sauver les meubles. On passe Revelo au passage. Furybot qui va maintenir la pression contre les Atlas. Très bon 50 de la part de Furybot, mais malheureusement qui sera un petit peu trop sur le side. On ne pourra pas aller récupérer ce tir sur ce 50-là. Shadow qui va de 50 en 50 pour s'approcher du filet, mais Ultimate G qui ne se laissera pas faire. Petit whiff ici de la part de Revelo. Furybot pour maintenir cette pression pour les Pandas. Ça sera Samouraï qui va réussir à reprendre cette possession. Petit touch ici de la part de Kaja, malheureusement, ça sera récupéré par Samouraï. On va aller chercher la démo sur Revelo sous cette rotation. Furybot pour maintenir. Attention, ici peut-être une possibilité pour les Atlas, une balle qui est haute. Ça sera un double commit entre Samouraï et Kaja ici. Attention au problème de communication. On doit faire attention à ça et on doit revenir rapidement en défense parce que ça va jouer contre nous sinon. Furybot avec le tir. Attention ici, le but qui est grand ouvert. Shadow qui va se risquer. Ça sera un arrêt de la part de Kaja.
On s'est fait une petite frayeur ici du côté des Atlas. Magic va tenter le drill. Ça sera arrêté du côté de Furybot. On renvoie au centre ici du côté de Samouraï. On doit faire attention à ses ouvertures. On réussit du côté du Magic à passer un premier joueur. On maintient notre dribble. Furybot qui va s'interposer dans ce jeu. Mais ça sera récupéré par Kaja sur un centre ici. Peut-être une ouverture. Kaja avec la démo sur Shadow. Et c'est Samouraï qui récupère ce ballon. Ça sera arrêté de la part de Furybot, mais une balle qui est toujours dangereuse de Team AG pour maintenir cette pression. Revelo qui réussit à défendre son poste. Kaja au passage, petit pont de la part de Furybot. Deux fois sur son teammate. Ça sera défendu du côté des Atlas. On passe le dernier défenseur, peut-être la deuxième touch pour maintenir ce ballon. Un tir direct de Team AG sur cette open-net là. Aïe aïe aïe, problème ici sur la rotation du retour défensif des Pandas. Furybot qui a bumpé deux reprises Revelo. On a raté notre opportunité ici. La contre-attaque a été récupérée. On a tenté de défendre du côté de Revelo. Malheureusement, on n'a pas eu contact et on était hors position. Nos deux teammates qui n'étaient pas là également. On a eu une ouverture directe du côté des Atlas. Furybot avec ce kick-off-là. Ça sera récupéré par Samouraï. Peut-être la deuxième touche. Revelo qui va s'interposer. Kaja avec le centre. Ça sera défendu de la part de Furybot directement sur le corner. Kaja pour maintenir ce ballon. Furybot toujours à la défense. Ça sera envoyé de la part du Team Magic. Attention ici, Revelo qui va sauver les meubles. Kaja, pas Kaja, mais Furybot qui n'était pas en position. Petit dribble de la part de Samouraï, mais on a raté notre flick. Ça sera défendu par Kaja, mais poussé de force de la part de Kaja, excusez-moi. Défendu par Shadow, mais Kaja qui va la pousser de force directement sur le corner. En fait, j'ai l'impression que non, c'est un... Je pense que c'est Furybot qui l'a rentré aussi rapidement que ça. En tout cas, Kaja qui l'a tiré. On a tenté de défendre du côté de Furybot, mais la balle va avoir été rentrée quand même du côté des Atlas. 3-0, 1 minute 15. Rien n'est encore fait à ce niveau-là. On peut quand même aller récupérer 3 buts en 1 minute si on joue rapidement du côté des Pandas. Mais les Atlas qui se ramassent avec une belle avancée sur cette troisième partie. On tente le contre du côté de Kaja malgré notre manque de boost. Ça sera récupéré finalement par Samouraï sur ce dégagement. Shadow qui va s'interposer, tu m'as dit avec le tir qui ne sera pas cadré mais qui va passer directement derrière Furybot. Une balle qui aurait pu être dangereuse, qui aurait pu amener un petit peu de panique du côté des Pandas. Du beau dégagement ici de la part de Furybot. Samouraï qui va renvoyer ça sur le côté. On va tenter la démo du côté de Furybot, mais Samouraï qui va la déjouer de justesse. Il va pouvoir s'enfoncer ici. Attention, un tir directement sur ce but non défendu du côté des Pandas. Et les Atlas qui vont chercher la marque de 4-0 dans ce troisième match. Shadow qui était un peu trop avancé, on n'était pas en position de pouvoir défendre. Et Revelo qui était du même côté, on n'avait pas de défenseur sur cette action-là. Et Shadow qui a réussi à passer justement, donc on ne s'attendait d'après moi pas à ça. On s'attendait à récupérer sûrement le 50 à pouvoir repartir rapidement en 2 contre 2 du côté des Pandas. Ça joue un peu des tours sur cette défensive-là. 20 secondes à jouer, 4-0. Les carottes sont pas mal un peu cuites, mais peut-être que les Pandas pourront aller chercher justement ce but de l'honneur avant les 0 secondes. Magic qui va aller chercher sa démo sur Revelo. Shadow qui va tenter le toss, mais ça sera récupéré finalement par Furybot. Samouraï avec la possession. On va tenter la passe au centre. Petit compte de la part de Revelo et la dernière seconde qui va permettre à ce ballon de s'écraser au sol et de donner la deuxième victoire pour Victoriaville dans ce BO pour ce soir. Très bon match pour Victo, on a mis beaucoup de pression, on a eu des belles opportunités ici. En fait, on a joué sur les erreurs défensives des Pandas. On a eu quelques problématiques ici sur notre rotation, sur notre positionnement défensif du côté des Pandas de Saint-Jérôme. J'ai l'impression qu'on a essayé de remettre un peu beaucoup de pression comme la deuxième partie. Malheureusement, on en a oublié notre rapidité de retour défensif, nos retours justement... Notre positionnement défensif, on a vu certaines personnes dans le corner quand ils devaient être justement peut-être plus près des postes. On doit faire attention à ça, c'est ce qui nous joue des tours sur cette troisième partie. Mais Victo qui a été quand même très agressif ici, qui ont joué et qui ont maintenu une bonne pression. Qui ont joué aussi une bonne défense ici. On a eu des belles ouvertures de la part des Pandas, mais on arrivait toujours à défendre de justesse du côté de Victoriaville. Donc on est allé rechercher justement ce... cette défense-là qui nous faisait défaut dans la deuxième partie. Et ça s'enligne pour une partie de match pour Victoriaville sur cette quatrième partie. Si Victor l'emporte, on va chercher ce BO-là. Sinon, on ira sur une cinquième partie. Mais les Pandas qui doivent faire attention à leur positionnement défensif cette quatrième partie.
très bon face cuff de la part de Revello ici. Furubot va tenter de récupérer cette possession, sera envoyé par Shadow. On rate le wave dash côté de Furubot, mais une petite confusion entre Samurai et Kajas entre qui la récupère. Donne peut-être un peu de frayeur ici aux Atlas. Shadow pour renvoyer cette balle qui a été récupérée par les Atlas. Furubot qui va laisser Samurai tirer un petit whiff ici de la part qui sera récupérée par Revello, mais Kajas pour maintenir cette avancée. On va chercher ce centre-là ici, Revello, qui va aller se replacer pour contrer cette balle. On s'en vient sûrement chercher notre boost. Kajak qui va chercher ce 50 avec Shadow. Firebot sur le wall. On va tenter le dribble ici, qui a failli passer. Un petit dribble, plutôt un petit aerial directement à la sortie du wall, qui a été, comment je peux dire, un petit peu chaotique sur le début, mais que sur ce 50 a failli passer, qui a été chercher la barre latérale. Revello qui maintient la pression. Ça sera dégagé par Samurai. Petit bot de Revello sur Samurai. On va aller chercher ce boost-là à nos adversaires. Kaja pour le tir. On rate de justice. On souffle la balle sur le côté, malheureusement. Revello avec le dégagement au centre. Ça sera récupéré par Samurai. Une balle qui reste dans les affûts. Peut-être la double tap. Qui sera récupéré peut-être par Kaja ici. Très belle. Très beau 50 ici. De la part de Shadow. Ça sera récupéré par Furubot. On va aller chercher ce bomb sur Ultimate G. Peut-être la backpass ici à Revello. Ça sera finalement Ultimate G qui va aller chercher ce 50-là. Un 50 gagné par les Atlas. Une balle qui est sur le corner. Kaja avec le tir direct. On va passer les défenses et on va aller chercher ce premier but après 1 minute 30. On fait bouger la défense des Atlas aussi, mais Shadow qui a tenté d'arrêter. On est arrivé un peu trop tard. Kaja qui était déjà dans les airs. On a réussi à aller chercher cette balle overhead sur Shadow. Pas de défenseur derrière Shadow. On n'a pas pu faire grand-chose du côté des Pandas, mais les Atlas n'ont pas manqué de marquer ce premier but. Kaja avec le dégagement au centre, mais le balle qui est haute, donc on joue là-dessus pour en fait espérer justement de faire reculer nos adversaires. Kaja avec le tir, ça sera défendu par Furubot, Shadow derrière lui. On y va pour une contre-attaque du côté des Pandas. On réussira pas à passer Shadow, mais... pas Shadow, il a passé Samurai, mais Revello qui est déjà dans les airs, peut-être un centre. Ça sera finalement un retour défensif du côté des Pandas. On ne maintiendra pas cette agression, mais Revello qui va essayer d'aller faire bouger un peu le positionnement offensif des Atlas. Furubot qui a réussi à s'en passer. On va voler ce boost-là, mais c'est Swiss Magic qui va maintenir cette balle. Petit flexi qui ne passera pas. Revello, on ne se fera pas avoir. Ça sera finalement Kaja qui va passer Revello. On maintient cette balle, on passe par-dessus Furubot, une balle qui est sur la crossbar, sur la backboard adverse. On va chercher ce 50-là ici de la part de Samurai, mais Furubot qui va me renvoyer ce ballon. Une balle qui est centrée, Revello qui est haute, ça renvoie à Ultimate G. On passe Furubot, Shadow qui la maintient, mais qui est encore devant le filet, qui a déjà pour le tir. C'est aux abords du filet, les Atlas qui réussissent à maintenir devant et les Pandas qui paniquent un peu en ce moment. Un tir, la part de Samurai, il manque pas grand-chose. Kaja qui va d'un tir, on retourne sur la backboard, peut-être se mettre pour maintenir une board down pour les Atlas sur cette pression. On a failli rater cette opportunité-là, plusieurs tirs sur la backboard, mais on n'a jamais réussi à dégager suffisamment du côté des Pandas. Et finalement, le tir final du Smedji sur une crossbar down sur ce tir. Un peu faible, mais qui fait quand même effet du côté des Atlas. On va chercher l'avancée de 2 à 0. 1 minute 50 à jouer. Les Pandas qui peuvent toujours remonter. On doit faire attention, par exemple, à nos commits. On se jette peut-être un peu trop du côté des Pandas en ce moment. Un tir direct de la part de Samurai. Ça sera de la part de Kajus, quand même. Ça sera défendu de justesse par Furubot. Revello qui renvoie ça sur le wall. On va rater des deux côtés, mais ça sera récupéré par Kaja. Samurai, pour maintenir cette pression, on se rapproche tranquillement du centre. On va tenter le tir directement. Furubot qui s'est un peu perdu dans le fond de ses filets. Et Kaja qui a pu récupérer cette passe de Samurai. Je sais pas si on a tenté la squishy save du côté de Furubot, mais en tout cas, on s'est enfoncé dans le fond de nos filets. Puis on s'est un petit peu perdu sur ce tir-là de Kaja. 3-0, 1 minute 15 à jouer. Shadow qui récupère une belle possession ici, mais Samurai qui va empêcher l'avancée de ce dernier. Furubot avec le tir, peut-être la double tap. Ça sera défendu par Samurai ici, Kaja qui l'a envoyé sur le side dû au manque de force justement du dégagement qui était juste devant le filet des Atlas.
un tir qui fera passer de vitesse et une balle légèrement trop sur la droite pour les Atlas. Un très beau jeu de vitesse de la part du Team LG. Fuyuba qui fait la passe à Revello. Revello qui renvoie vers l'avant. Ça sera défendu ici par Samurai, mais un tir direct de la part de Revello. Peut-être Fuyuba pour finaliser. Une balle qui est trop haute. Si on peut quand même défendre, et ça sera défendu par Samurai et Kaja. Un tir direct de la part de Samurai sur cet overtime de Panda. On a eu une belle opportunité ici de pouvoir marquer un but, mais malheureusement, on est resté un peu trop longtemps dans les filets. On a bumpé du côté de Revello, mais la balle n'était pas là. C'était Samurai qui l'avait. Ça a été un dégagement de la part de Samurai qui va faire la marque de 4-0 pour les Atlas. Un tir direct de la part de Samurai. Un très beau read ici de la part de Samurai sur ce kick-off-là. Kajak qui a renvoyé cette balle sur le side. Samurai avec le redirect directement. Ça a passé la défense. Et c'est le logo de Nike qui est envoyé de la part de Samurai directement. On est allé chercher sa 5-0 sur ce kick-off goal-là. Très beau kick-off de la part de Kajak. Oyuba qui renvoie. Ça sera Shadow qui va aller se tenter. Mais Utimagic qui réussit à renvoyer vers le centre. On maintient cette pression du côté du Team LG. On prend son temps du côté de Furrybot. On ne veut pas la laisser. Mais ça sera quand même récupéré par Samurai. Revello qui renvoie sur le side pour éviter un sixième but du côté des Atlas. Ça sera finalement Kaja qui va maintenir cette pression. Kaja avec le tir. Ça va passer par-dessus les filets. La dernière seconde, on veut essayer d'aller chercher ce dernier but du côté des Atlas. Furrybot pour renvoyer cette balle sur le wall. On prend le temps de contrôler du côté de Team LG. Kaja avec le tir qui sera un petit peu trop sur le côté. La balle qui va s'écraser pour donner la victoire au Cégep de Victoriaville pour cette deuxième semaine consécutive contre Saint-Jérôme. La partie devrait commencer sous peu. Et les joueurs de Shawinigan qui viennent d'arriver. Parzival, carton en papier. Nomi, Mad Brother qui vont être là. Pour représenter le cégep de Shawinigan, les électriques et les joueurs qui prennent place. C'est parti, ni plus ni moins. On va arrêter la musique et on va débuter ce deuxième BO pour la Ligue collégiale. Malheureusement, Pulse, c'est un tournoi, une ligue qui s'appelle la Ligue collégiale des sports électroniques au Québec. Malheureusement, c'est des joueurs prédéfinis, des parties qui sont prédéfinies chaque semaine. On ne peut malheureusement pas participer comme ça. Et première partie qui débute, Nomi sur la backboard pour défendre, ça sera renvoyé et intercepté de la part du Team LG par Dival, qui renvoie à Nomi. On prend notre temps, ça sera finalement Samurai qui va maintenir la pression sur ce premier kick-off. On réussit à faire une balle santé, Kaja pour l'interception, qui va aller chercher le premier but de ce BO. Une belle passe centrée ici de la part de Samurai, Delayed flip sur cette balle. On a tenté de défendre du côté de Parzival, mais ça fut intercepté sur ce très beau read de la part de Kaja. Deuxième kick-off, carton qui papier qui renvoie. Ça sera finalement Nomi qui va réussir à faire backer son adversaire. Kaja qui va récupérer cette balle. On va passer carton à papier sur ce petit petit déjouement sur le wall. Parzival qui va passer par-dessus Samurai. Ça sera envoyé de la part du Team LG. On prend son temps, on va renvoyer derrière Nomi, mais aucune personne des attentes pour récupérer. Ça sera récupéré de la part de carton papier. On tente le flic, ça sera intercepté de la part de Samurai et du Meji avec la démolition sur Nomi. Kaja avec le centre du Meji pour tirer. Ça sera dévié légèrement de la part de Nomi et de Parzival sur ses contres. Balle qui a passé très près pour les Atlas. On ressente Nomi avec le dégagement. On réussit à s'enfoncer du côté des Atlas. Kaja qui va réussir à le flic au dernier moment. Nomi pour tenter de maintenir cette pression recentrée. On va avoir un petit whiff du côté des électriques. Parzival avec Lario. Ça sera raté des deux côtés, mais Samurai pour maintenir cette pression. Une balle qui est cadrée sur le corner. Ça sera enfoncé du côté de Samurai pour aller chercher la marque de 2-0. Un petit whiff qui va avoir joué gros ici. Très belle Lario. Très belle touche de la part de Samurai. Une balle qui va être lente. Nomi qui va s'être tenté un petit peu tard là-dessus. On était un petit peu trop bas pour intercepter ce ballon. Troisième coffre, 3 minutes 36 à jouer, tout est encore possible. Les carottes ne sont pas cuites, loin de là. Nomi avec le tir, ça sera légèrement dégagé. On réussit à intercepter ce ballon, mais on va le centrer du côté de carton Parzival pour le tir. Ça sera arrêté du côté des Atlas Magic. On va tenter de passer Nomi, mais Nomi qui va avoir cette touche pour la maintenir au centre.
On va whiff ici, ce qui va permettre à Kajet de récupérer. On va essayer d'aller chercher la démo sur Parzival, mais Parzival qui va pouvoir contrer cette tentative. Ultimate G pour maintenir cette pression. Un tir direct sur carton en papier. Ça sera Kajet qui va récupérer. Une balle centrée, mais aucune personne pour la récupérer. Ça sera raté de peu de la part d'un ami. Carton en papier qui va d'un wall drag. Un wall drag pour faire déplacer. Ça sera intercepté de la part du Smedji, mais Parzival qui est en position. On va chercher même le petit bump ici. Kaja qui va essayer à passer là-dessus. Samurai pour le tir. Ça sera maintenu sur le side du but. Petit 50 en retard du côté de l'ennemi pour maintenir, justement, pour empêcher en fait l'avancée de la part du Smedji. Ça sera sur le corner des Atlas. Samurai qui défend très bien le corner. Ça sera envoyé d'un bout à l'autre du but des Atlas, mais personne pour récupérer du côté des électriques. L'ennemi qui maintient cette balle. Une balle qui est centrée. Attention ici, c'est Ultimate G qui va tirer. Carton qui ne peut défendre sur ce tir. Très beau centre ici. Malheureusement, fait par l'ennemi. Carton qui a tenté de défendre, mais qui était un peu laid. Je sais pas si on avait du boost de son côté. En fait, on en avait sûrement, mais... manque de bol, on n'a pas eu le momentum pour pouvoir aller chercher cet arrêt rapidement. On s'attendait sûrement à un tir, mais peut-être pas. On pensait peut-être avoir le temps justement de se repositionner. Et c'est la marque de 3-0 de la part des Atlas. Dimitri avec le contre et la démo sur Parzival. Ça se récupère par carton en papier. On y va avec un tir direct défendu par Kaja directement sur le midfield. Dimitri pour le tir direct. Une balle qui est cadrée qui va aller sur une bar down de la part du Dimitri. Les Atlas qui rentrent en force dans cette première partie. 4-0 avec 2 minutes à jouer. Parzival qui a tenté le contre. Un petit tir sur le sol pour remonter cette balle et un ami qui ne savait pas trop où donner de la tête sur cette bar down. On a quand même tenté du côté des électriques, mais les Atlas qui rentrent en force ce soir sur cette première partie du BO. L'ami avec le 50, Kaja peut-être avec le tir ici sur cette balle centrée. Ça sera défendu de la part de carton en papier. Parzival avec la touche, on s'enfonce profondément du côté des Atlas. Ultimate G va tenter le read ici, mais Kaja avec la démo de dernière seconde sur carton papier qui avait un tir direct sur le but des Atlas. Carton qui récupère cette position sur le corner, ça sera maintenu du côté d'Ultimate G. Samurai avec le centre, directement peut-être un tir de la part de Kaja, ça sera défendu de la part de Parzival. Nemi. Avec la récupération de ce ballon, on tente de déjouer du Magic, on réussit. Carton en papier qui va maintenir cette pression et qui va tenter le centre pour ses adversaires, pour ses alliés. Parzival qui va tenter de maintenir cette pression. On est proche du côté des Atlas, on doit faire attention à ça, mais on réussit à maintenir notre défense. Samurai avec le delayed flip, ça sera pas touché du côté de Samurai. Double commit avec Ultimate G, on a un but grand ouvert ici pour les électriques. Mais malheureusement, aucune possession qui sera prise. Une balle qui est proche, mais qui sera défendue de justesse de la part de Samurai. Cette ouverture, on va chercher cette démolition sur Parzival, mais ça sera maintenu du côté de Nemi. Belle pression ici des électriques. Peut jouer un tour aux Atlas sans ne faire rien. Un tir direct de la part de carton papier défendu par la part de Kaja. Très bel arrêt ici. Parzival va tenter de maintenir cette pression pour peut-être aller chercher la marque de 1 à 4 pour les électriques. Le petit but de l'honneur, comme on dit. Les 30 dernières secondes qui sont annoncées par le timer. Ça sera récupéré par carton. Tenter ce jeu. Une balle qui est centrée. On va réussir à passer le smedge, mais ça sera Samurai qui va récupérer Parzival avec la défense. Nemi qui va tenter de pousser cette balle à carton. On bloque le tir direct de la part de Smedge. Il va tenter de la centrer pour son teammate Kaja avec le tir. Une balle qui est malheureusement trop haute. Parzival qui va récupérer cette possession et Samurai qui maintient la pression du jeu offensif des Atlas. La dernière seconde qui est sonné ici, et ça sera un arrêt par la fin de la partie. En fait, la balle qui s'écrase au sol qui permet à Victoriaville d'aller chercher cette première victoire écrasante sous cette pression. Shawinigan, d'après moi, qui ne s'attendait pas, les électriques qui ne s'attendaient pas à cette pression autant. On s'est warm-up avec les pandas à 19h15, et ça apparaît, les Atlas de Victo qui rentrent en force ce soir. 4-0. Shawinigan qui ont tenté des beaux jeux. Malheureusement, on avait quelques problèmes en défense. Des petits timings. Pas quelque chose de gros. On avait juste des petits timings qui passaient par-ci, par-là. Et tu sais, je pense qu'on s'attendait pas sur certaines balles. On a quand même essayé de jouer au mieux. On a quand même fait des belles arrêts du côté de Shawinigan. Mais on a manqué d'opportunité de tirer du côté de Shawi. 3 tirs pour un total de 10 tirs du côté de Victo. Ça fait quand même une grande différence.
Faut essayer de trouver un petit peu plus d'opportunités du côté de Shawinigan sur la suite là-dessus. On s'adapte, on voit un peu comment ils ont joué. Là, on a vu justement que les Atlas jouaient un petit peu agressif. On a réussi à se replacer vers la fin de la partie, mais ça n'a pas été suffisant pour pouvoir tirer. On a manqué des belles opportunités du côté des Électriques sur cette première partie vers la fin. Malheureusement, on n'a pas réussi à les conclure pour aller chercher au moins des marques au pointage. On va essayer de se rattraper sur cette deuxième partie pour Shawinigan. Mais 1-0 dans ce BO pour Victoriaville. Kedja qui récupère cette possession. Ça sera défendu de la part de Nomi. Une balle qui est haute ici. Ça sera tenté du côté de Samurai qui s'en va vers la backboard. Parzival avec la défense. Carton qui est toujours sur la backboard. On va tenter le tir de la part de Kedja. Ça sera défendu du côté de Nomi. Très bel arrêt ici. On renvoie du côté des Atlas Samurai pour maintenir la pression. Une balle qui peut être tentée ici. Ça sera un double commit de la part de Carton Papier de Parzival. Une balle qui est sur la backboard. Peut-être Kedja avec le tir. Ça sera raté du côté de Kedja. Nomi qui récupère. On va contrôler cette balle. Les Samurai qui vont aller chercher ce 50-là dans le blind spot de Nomi. Samurai qui renvoie en direction des filets. Carton qui tente le Shadow Defense. La Shadow Defense directement. On n'aura pas eu besoin, aucun retour de la part des Atlas, mais la pression qui est maintenue de leur côté. Parzival sur le wall, ça sera Kedja qui va envoyer vers le centre. Nomi tente de rester en position pour pouvoir contrer un tir direct. Ça sera finalement un double commit de la part de Nomi et de Parzival. On défend sur le wall. Le Team Magic qui maintient. Ça sera laissé à Kedja. Carton en papier pour récupérer. On a faké la backpass. Ça sera récupéré par Samurai. Une balle qui est centrée, un petit bump ici. Parzival qui a tenté de défendre, mais on n'avait pas de pression du côté de la classe. On a raté cette opportunité-là. Une petite démo de la part de Kedja sur Parzival. Carton récupère ce dribble. On va aller chercher d'un bump du côté de Kedja pour permettre à Samurai de récupérer. On tente de passer Nomi ici. Ça sera un petit bump de la part de Nomi. On ne pourra pas continuer cette balle, mais Kedja qui maintient ce tir. Un contre qui peut être dangereux ici, qui va passer très près des filets des Électriques. Carton va tenter ce tir. Ça sera Nomi finalement qui va commit. Petit démo de Nomi sur Kedja, un tir direct de la part de Parzival, ça sera contré de la part d'Ultimate G. Carton pour maintenir la pression, Samurai qui dégage, Kedja qui va tenter le redirect pour empêcher les Électriques de contrer leur avancée. Ça sera une balle qui sera avancée ici, qui pourra tenter, mais Kedja qui était déjà dans les airs, on n'a pas pu commettre, on a essayé de pré-shot peut-être un peu trop tôt du côté des Atlas. Nomi avec le 50 avantageux ici. Kedja qui défend. Team Magic qui doit dégager cette balle rapidement pour pas avoir une opportunité de tir pour les Électriques. Et Carton qui se fera passer au passage. On va chercher ce compte parce que ne peut pas tirer. On renvoie sur le corner pour peut-être un tir de la part de Samurai. Une balle qui va rester prêt. Une opportunité peut-être pour Kedja de tirer. On va chercher la crossbar. Heureusement, les Électriques qui restent dans leur filet. Mais Carton qui réussit à maintenir, à dégager cette balle sur le side. On va finalement reprendre nos déplacements du côté des Électriques. Kedja avec le dribble, on va essayer à passer Carton. Parzival avec le contre ici, Ultimate G pour le tir. On va rater de justesse Samurai qui va maintenir la pression ici pour permettre à ses alliés de backer. On va tenter le side touch de la part de Ultimate G. On renvoie sur notre allié, mais Carton qui va dégager vers l'avant. Kedja qui récupère, on maintient la pression du jeu offensif ici depuis plusieurs bonnes secondes des Atlas. Ennemi qui finit par briser cette offensive finalement. Une balle qui est centrée, Carton avec le tir. Arrêté de justesse par Ultimate G. Mais Nomi peut-être pour la remettre dans l'axe. Ça sera finalement défendu du côté des Atlas. On retourne sur un contre-offensif, mais Parzival qui empêche l'avancée des Atlas. Ça sera finalement Samurai qui va réussir à briser ce contre. C'est une balle qui est centrée, Kedja avec le tir. Ça sera malheureusement un petit peu trop haut du côté des Atlas. Toujours 0-0 ici. Très belle défense. Des Électriques, très belle défense des Atlas. On réussit avec une belle pression, mais on n'arrive pas à finir du côté des Atlas. On doit faire attention à ça. On réussit un beau flic ici du côté de Carton. On maintient, on drine notre balle, mais ça sera Samurai qui va aller chercher ce contre Nomi. Balle toujours sur le midfield. Ça sera Kedja qui va renvoyer à l'opposé. Parzival en position pour récupérer. Timenji qui va forcer l'avancée. Une balle qui est centrée ici. Attention, peut-être un contre pour les Atlas, mais Carton qui est déjà dans les airs et Samurai qui va empêcher cette avancée. Du joueur des Électriques, Parzival qui récupère, on rentre sur le sideway. Ça sera envoyé directement, mais faiblement vers le centre. Ici, un centre pour Carton qui va tirer Kedja sur la défense. Double commit avec Samurai. On a waste un peu de boost du côté de Samurai. On doit faire attention à ça. Finalement, on va laisser la possession à Parzival. Une balle qui est centrée. Attention, Carton qui peut faire du ravage, mais ça sera défendu de la part du Team NG.
Nami qui renvoie à son coéquipier, mais on retourne en arrière du côté de carton et petit whiff de la part de Kadjak qui va lui permettre de récupérer ce ballon. On défend très bien du côté des Atlas pour le moment. On garde, en fait, on réussit à soutenir cette pression, à garder cette pression. C'est une ouverture qui peut être dangereuse, Nami qui va se faire passer à hauteur, mais carton qui va quand même tirer à l'opposé du filet. On tente le flick pour passer Nami, mais raté du côté de Dimedji. Nami qui va l'envoyer à l'opposé. On va chercher la démo sur Samurai. Kadja qui va maintenir. On va aller bumper carton pour empêcher d'avancer ici. Dimedji avec le tir dans l'axe. On va aller chercher le side. Ça sera défendu par Nami, mais de trop près du filet. Malheureusement, la balle déjà en inertie. Ça sera un but à 13 km récupéré par Dimedji avec 3 secondes à jouer. Une belle tentative de la part de Nami, mais on était mal positionné. Et malheureusement, on l'a arrêté sur les côtés du défilé. On a rebondi sur le ballon et la balle qui avait déjà son inertie qui s'est enfoncée. Et là, on va tenter un jeu sur le wall du côté. Un ceiling shot du côté de Pardival. Et une balle qui s'arrête directement aux abords du corner pour permettre aux Atlas d'aller chercher la deuxième partie, la deuxième victoire dans ce BO. Les Atlas qui sont en feu ce soir. Encore là. Les électriques de Shawinigan qui ont quelques problèmes à se placer, à quelques problèmes à avoir des opportunités de tir efficaces et rapides pour pouvoir essayer de passer la défense. On a eu des belles opportunités tout à l'heure, des balles qui sont restées prêtes. On monte un petit peu d'accuracy au niveau de nos shots du côté de Shawinigan. 3 tirs centrés qui auraient pu être récupérés, qui malheureusement n'auraient pas été récupérés, contre 8 tirs du côté de Victoriaville. On voit qu'on a une belle pression du côté de Victoriaville et ça nous overwhelm un petit peu du côté... du côté de Shawinigan, visiblement. Tout de même, très belle défense. Ça a pris quand même quasiment l'entièreté des 5 minutes. 4 minutes 57 pour pouvoir réussir à finalement avoir un tir réussi du côté des Atlas. On avait des belles opportunités qui pouvaient être rentrées, mais on n'avait pas personne pour les récupérer à ce moment-là. Ça, il faut faire attention. Ça peut nous jouer des tours sur ces belles opportunités comme ça. Chawi qui a réussi à faire des belles avancées dans les terrains, mais on n'arrivait pas bien souvent à dégager suffisamment la balle dans ces jeux-là. Dimedji qui a été, on va dire, le défenseur fort de cette deuxième partie, qui a réussi à arrêter plusieurs belles shots du côté de Shawinigan. Et les Atlas qui s'avancent pour peut-être la partie de victoire dans ce BO. Et peut-être, qui sait, une remontada des électriques de Shawinigan. À voir, on avance pour cette troisième partie. Et troisième partie, les joueurs qui sont arrivés un petit peu encore du côté de Shawinigan. Pardival qui a l'opportunité ici, qui va tirer. Ça sera très bien récupéré ici de la part de carton en papier. On a tenté le double commit ici, Kajak est arrivé un petit peu en retard. Et en fait, je crois que le double commit, Samurai avait la défense, Kajal l'a bloqué avec la sienne et carton qui a commit pour pouvoir enfoncer cette balle. Un peu malencontreux du côté des Atlas. On va chercher cette démo du côté Parzival sur ce kick-off ici, mais Ultimate G qui va être là pour empêcher ce tir. On essaie de passer carton du côté Ultimate G. Samurai qui va bumper un petit peu Ultimate G sur cette action. Très beau dégagement ici sur la backboard de la part de Parzival. Ultimate G qui prend son temps, on a tenté de récupérer cette balle à plat directement au sol, mais on a un petit peu raté ce read du côté. Dimedji, une balle qui est centrée, attention ici, carton. Ça sera défendu de la part de Dimedji par Dival qui maintient cette balle. On y va d'un très bel aerial, peut-être la double tap ici de Dival. Ça sera raté de justesse. Nami qui est un peu loin, ça sera passé de la part de Samurai, mais Nami qui réussit quand même à maintenir la pression du côté des Atlas. Dimedji, il va réussir à passer Nami, carton qui va défendre. On renvoie ça sur le bord du terrain. Samurai qui va passer par Dival, petit accrochage avec Ultimate G, petit backflip ici. Ça s'est finalement dégagé de la part de carton en papier sur ce très bel aerial. Ultimate G qui maintient ce ballon. On réussit à centrer, c'est peut-être une ouverture pour Kadja, mais par Dival qui va arriver de justesse pour défendre ses filets. Samurai pour maintenir la pression ici. Déjà dans les airs, ça sera un double whiff de la part des électriques, mais par Dival qui va être là pour sauver les meubles. Ça sera une backpass du côté de Dimedji, Kadja qui va renvoyer ici Nami pour peut-être centrer à ses collègues. Ça sera récupéré par Samurai. On rate la balle de justesse, mais on va quand même aller bomber par Dival. Ça sera défendu de la part de Nami sur une démolition de carton sur Ultimate G pour essayer de briser ce jeu offensif. Mais Kadja fait un très bon travail ici pour maintenir cette pression. On fait un centre, mais aucun collègue qui est là pour garder cette balle. Double commit ici de la part des électriques. Et
démo d'Ultimate G sur Nami Carton qui a tenté coûte que coûte de sauver ce ballon et ça ne sera pas arrêté du côté de Carton. Les Atlas qui vont rechercher cette égalité ici. On n'était pas en position de défense du côté de Carton, mais on a quand même essayé d'intercepter. Ça ne sera malheureusement pas suffisant sur cette action, mais on voit beaucoup plus d'agressivité du côté des électriques. Depuis le début de partie, on tente des beaux jeux, on tente des aerial hold pour essayer de surprendre nos adversaires. Ça semble fonctionner, ça déstabilise un petit peu les Atlas. Les Atlas qui réussissent quand même à maintenir une très bonne pression. Kajessi sur le centre de Ultimate G. Ça sera une démolition sur Partival qui ne pourra pas continuer cette action. Très beau read de la part de Samurai. On renvoie vers le midfield, mais ça sera envoyé ennemi directement dans l'axe. Carton qui est en position de pouvoir défendre. Ça sera envoyé sur le side. On rate de justesse ce ballon. Ça sera finalement ennemi qui va aller chercher Splitter avec Ultimate G. Et ça sera récupéré par Kaja qui va passer ennemi. On met de la pression du côté du Team G sur Percival directement dans les filets. Ici, attention, ça pourrait nous jouer des tours. Mais très belle défense de la part du Team G sur cet overcommit de sa part. Percival qui va punir en allant chercher ce boost sur le corner et qui va maintenir cette pression sur les Atlas. On doit se repositionner rapidement. Très belle défense ici de la part de Samurai sur le backboard. Carton pour remettre dans l'axe. Double commit entre Team G et Samurai. Ça sera Kaja finalement qui va dégager sur le midfield. On rate la balle du côté de Kaja, mais ça sera un petit tough touch de la part de Nami sur une balle dans l'axe de la part de Samurai. La double tap qui ne sera pas touchée. On va rater du côté de cette avancée sur Partival, mais Kaja qui va maintenir cette pression. Petite soft touch pour maintenir la balle dans les airs. Ça sera finalement Ultimate G qui va envoyer à l'opposé pour faire bouger la défense des électriques. On va chercher le bump en défense et Samurai peut-être pour la double tap. Ici, ce sera Percival qui va sauver de justesse cette balle sur un très bon 50 en hauteur. Un tir directement dans l'axe ici qui va aller chercher le corner de la backboard des électriques de la part du Team NG. Nami qui va voler la balle à Carton. On va chercher ce 50-là. Carton pour la mettre dans l'axe, mais Samurai qui va la maintenir sur le corner. On va tenter de faire la passe Kaja pour la renvoyer sur son opposé en sécurité. Percival avec l'Oriol. On va aller chercher ce bomb de la part de Nami sur Kaja. Samurai qui renvoie cette balle dans la zone de ses adversaires. Petit late flip pour garder cette balle haute. Carton qui va récupérer cette opportunité. On va tirer, mais ça sera défendu de la part du Team NG. On commence à essayer d'overwhelm nos adversaires du côté des électriques. On vole les boosts et ça paraît sur la pression que met les Atlas en ce moment. Mais les Atlas réussissent quand même à aller chercher une contre-offensive. Sur ce retour en zone défensive du côté des électriques. Samurai qui va passer de justesse près de la balle. On va quand même réussir à la centrer, mais ça sera Nami qui va récupérer un tir non cadré qui sera défendu de la part du Team NG pour vraiment essayer de sauver le coup. On renvoie à l'opposé du côté de Carton pour faire bouger la défense adverse. Ça sera Percival qui va tenter de maintenir. Carton avec le tir. Kaja qui reste sur son corner. Ça sera Samurai finalement qui va maintenir ce ballon dans la zone safe. Nami qui ne sera pas en position pour récupérer cette balle de Percival et ça sera récupéré pour un contre-attaque de la part des Atlas. Une balle qui est centrée ici. Ultimate G qui va peut-être se tenter, mais finalement Nami qui va récupérer. On retourne en défense, on joue safe du côté des Atlas. C'est 1 à 1. On sait qu'on n'a pas l'avantage présentement. Et on va peut-être essayer d'aller chercher cet overtime. Oui, c'est une overtime qui sera récupérée par les Atlas. 1 à 1. D'un côté, une victoire de ce BO, de l'autre, peut-être une remontada. Et ça sera Ultimate G qui va récupérer ce boost à Percival. Mais Percival qui va pouvoir la centrer, Nami qui a pu passer à deux doigts de récupérer ce ballon. Ça sera Kaja qui va y aller d'un petit dribble. Une balle qui va se centrer, une balle qui est haute ici. On se bump un peu du côté des Atlas sans vouloir. Mais Percival qui est haut dans les airs sur cet air dribble et qui va décadrer cette balle sur une balle qui était centrée. Nami pour maintenir la pression. Ça sera récupéré par Kaja qui va tenter de dégager ici. Aucune personne pour récupérer du côté des Atlas. Double commit de la part de Samurai et d'Ultimate G. On doit faire attention. On ne doit pas laisser la panique nous envahir. On a une belle affaire ici. Un beau jeu et une belle défense. Et on doit maintenir ça malgré l'overtime. On est fébrile du côté des Atlas et ça se sent. Ça sera défendu ici de Carton sous ce tir de Kaja. Samurai pour maintenir cette pression. Ultimate G qui va aller chercher ce 50-là, une balle qui peut être centrée pour Kaja. Kaja qui va tirer. Percival. Non, ça sera Carton finalement qui va défendre. Ultimate G pour maintenir cette balle au centre. Attention ici, ça peut être récupéré autant des deux côtés. Ça sera un tir de Samurai sur la backboard. Et ça sera Ultimate G qui va aller finir ce mouvement ici. On a bait nos adversaires pour faire bouger la défense. On l'a envoyé sur la side du but. Et ça sera Ultimate G qui suivait de proche, qui va aller enfoncer cette balle pour un 3-0 dans ce BO. Un très beau match pour Victoriaville, un retour en force face au début de la saison
où ce que Shawinigan avait l'avantage. Et là, on montre justement qu'on est back on track, qu'on est fort et qu'on est là pour tout se jouer sur la deuxième partie de la saison. Potentiellement, justement, Victo qui va pouvoir shiner au retour des vacances. C'est pas encore fini, il en reste encore des matchs la semaine prochaine, mais on a vu une très belle remontée ici. Deux victoires de BO pour les Atlas. Deux belles victoires récupérées en cette belle soirée. Très beau match de la part de Shawinigan. On a quand même réussi à se rattraper dans les dernières parties. Malheureusement, ça n'aurait pas été suffisant. Les matchs ont été plus serrés, mais on n'a pas réussi à finaliser nos tirs du côté des électriques de Shawinigan. Victo qui a un petit peu paniqué sa dernière partie. On a failli laisser passer cette victoire-là sur certains petits whiffs de pression, sur certains double commits qui auraient pu nous jouer des tours. Mais tout de même, une très belle, un très beau BO des deux côtés ici. Shawinigan qui va avoir des petites choses à travailler, j'ai l'impression, au niveau de leur trio, mais qui ont quand même fait une très belle performance. Ça s'est joué de très près dans toutes ces parties-là. On a montré qu'on était capable de jouer des jeux agressifs du côté de Shawinigan, mais on a montré aussi notre polyvalence du côté de Victo. Une bonne défense, des jeux qui étaient rapides, pas nécessairement des tirs rapides, mais des jeux qui étaient rapides, des bons positionnements. On était là les uns les autres pour s'entraider et ça a joué à l'avantage de Victoriaville pour cette semaine. Félicitations à toutes les équipes qu'on a vues ce soir, les Atlas, les Pandas de Saint-Jérôme et également les Électriques de Shawinigan. Une très belle soirée de Rocket League, du très beau Rocket League pour cette Division 3A. Division 3A, 2A? Je suis plus sûr, durant l'instant, il me semble que c'est 3A que j'avais dit. Ouais, c'est Division 3A. Du jeu qui sont rythmés, c'est le fun à voir, c'est beau à voir. Félicitations aux deux équipes. Là-dessus, nous, on se revoit la semaine prochaine pour, je crois qu'on a un BO la semaine prochaine, ça sera confirmé, on verra ça ensemble. N'hésitez pas à follow la chaîne pour ceux qui veulent ne pas manquer les Atlas pour la Ligue collégiale. N'hésitez pas à partager également pour ceux qui voudraient faire connaître la Ligue collégiale. On a des beaux étudiants et étudiantes qui jouent chaque semaine pour donner le meilleur d'eux autres et avoir justement cette petite expérience-là, on va dire, d'e-sport. C'est une belle organisation et c'est vraiment le fun d'avoir. Fait que n'hésitez pas à en parler et à amener le plus de gens sur ces discussions-là de la Ligue collégiale. Faites connaître ça, c'est peu connu et c'est super le fun. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et on se revoit la semaine prochaine pour la suite de la Ligue. Passez une bonne soirée, je vous envoie du love, à plus.